les amis, bienvenue sur la chaîne de Chez Ryu Games. Aujourd'hui, on accueille LTTF Avatar le Fou. Salut à toi, mon frérot. Salut, frérot, ça baigne. Donc, on se retrouve pour le jeu Infestation The War Z, qu'on va essayer ça tout de suite. C'est parti, donc je te laisse expliquer qu'est-ce qu'on va faire, frangin. Bah écoute, là, vu qu'on était sur serveur privé, qu'on a pu pexer un petit peu quelques objets et tout, bah là, comme tu peux le voir devant, là, t'as vu, il y a un joli véhicule, 9 places. Exact, super. Voilà, alors ça, on aurait pu... Bon, après, il y a peut-être quelques collègues qui rejoindront, mais ça, on verra. Donc voilà. Alors par contre, pour grimper dedans, un troisième personne... Hop. Alors par contre, ils ont pas encore fait l'histoire des feux, des lumières, etc. C'est un peu chiant. Bon, t'es équipé, hein, vision ouais. Nocturne, etc. Et tout ce qu'il me faut. Voilà, donc ouais, je vous montre, on peut, vous voyez qu'on peut activer la vision nocturne grâce à nos casques et les lunettes qu'on a. Alors c'est bien, je dirais pour l'op PVE, évidemment, c'est du easy. Casque nocturne pour vraiment nous aider. Oh, je me suis trompé, je crois que c'est derrière. Ouais, il faut qu'en fait on passe à Seven, c'est carrément derrière le bâtiment. Et donc là, du coup, avec le véhicule, on va se déplacer directement sur une zone de pop où il y a 4 super zombies. Et puis, bah là, pour commencer à pexer ton personnage au plus vite, bah tu vas dans cette zone là, tu pexes un perso, et pour partir PVP, c'est plus simple parce que tu vas pouvoir adapter tes points de compétence au fur et à mesure que tu tues les super zombies, etc. D'accord. Je crois que tu peux en faire 6 d'affilée en tournant tranquillement et en récupérant tout le stuff autour. Ok, de super zombies. Mmh. Ouais, cool. C'est ça. Donc après, je sais pas si tu dévoiles un petit peu ta carte pour montrer un petit peu les directions. Ok. Donc voici les amis, la carte. Alors il y a 2 lieux de pop, hein. Il y en a un. Donc là, je parle en termes de carte. Il y en a une au sud, tout au sud, là où on va aller. Après, il y a tout à droite, à l'ouest, t'as Airport, je ne sais plus quoi, je vois pas très bien parce que la carte, il faudra zoomer. Bon, attends. Airport base, ouais. Ouais, voilà. Et puis après, t'en as tout en bas, à l'ouest également. Il y a quelques zones à force de tourner, de connaître le jeu, parce que quand tu pars en PVP, que tu changes de serveur ou que tu fais des Battle Royale, t'es téléporté à différents endroits. Ouais. Donc ça c'est plutôt pas mal et ça évite les gros campeurs aux snipers évidemment. Ouais. Bah, excuse-moi, je peine un peu pour aller rejoindre la zone. Ah, je dirais qu'on arrive à un espèce de magasin là-haut là. Ouais, alors là ça y est, bah, finalement on arrive à la zone, enfin. Ouais, donc en tout cas, ouais, vraiment je le conseille, c'est vraiment un super jeu. Donc nous on l'a trouvé, nous on l'a téléchargé à partir de Steam, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc Steam a une grande communauté pour certains jeux. Donc celui-là, il était payant il y a quelques années. Tu pouvais payer 5$ ou 15$. 10 balles, quoi. Ou 20 balles max. Ah, t'as entendu le super zombie, là? Ouais, exact. Voilà. On peut entendre donc, un super on va super se faire zombie. Rush. On va se faire rush. Il y a de grandes chances. Donc là, on va descendre et on va longer la barrière. Hein. Tu vas me suivre direct. Hein. D'accord. Okay. On ira une petite explication après. Ça me fait penser un peu à la prison de Rick, quoi. Ah ouais. Ah, le délire. Là, je récupère le Camtar. Alors, Camtar, hein, pareil, hein, tu restes appuyé F5 pour le récupérer. Tu le remets dans ton sac. Ça, c'était nouveau. Ça y était pas avant. Ah ouais, ok. Ah ouais, d'accord. Ok. Voilà. Magie. Donc je me dépêche parce que finalement j'ai pas de... Comment ça s'appelle? Voilà, normalement t'es censé... Voilà. Donc là tous les zombards ils vont essayer de passer d'un côté mais nous on a le temps de passer. Ah merde, hey, je suis descendu moi, j'aurais pas dû. Oui, alors là tu vas être bloqué. Merde. Alors attends, bouge pas, fais pas de bruit. Alors ce que je vais faire c'est balancer une petite grue là-bas pour attirer un peu tout le monde. Et en fait, il faudra que tu longes par ta droite tout le long du bâtiment. Ouais, de toute façon, je vais descendre avec toi. Hein. Moi, je risque rien. Bon, t'es prêt, on va run un bon coup. Ouais. Et normalement, tout de suite derrière ce bâtiment-là, sur la droite, il y aura des petites caisses où on pourra grimper. Ok.
Alors ils ont été un peu cocons, ils ont tous été là-bas. Vas-y, grimpe, droite, 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 tout de suite. Hop. Bon bah écoute, bah tu vois la grue, elle a fait son effet. Ouais. Tu vois de l'autre côté, regarde les cocons, ils ont tous été là-bas. Ah ouais. Alors, toi t'enlèves les lunettes nocturnes, tu tournes un petit peu à la lampe, voir un peu ce qui se passe et tout. Donc là il va falloir faire un gros nettoyage de la zone. Ouais. Pour pouvoir accéder après en fait au sous-sol. Je vais te montrer ça un petit peu après. Ok. De toute façon là ils vont arriver hein, les zombards. Bah tu peux venir jusqu'à moi si tu veux. Grimper par ici. Hop, hop. Tac. Et je pense avec ta vision nocturne, tu verras un petit peu mieux ici, de ce côté là. Donc tu. Alors fais gaffe de pas tomber parce que je crois que si tu tombes d'ici, le dégât de chute, vu que t'as. Je sais pas si t'as eu le temps de pexer tes pas de compétences. Ah non. Ouais, donc du coup, bah on fera. On va du coup après vite fait hein, pour faire une pause. D'accord. Et on mettra tes points de compétence à ce moment-là. Ok, ça marche. Donc ouais, donc vous pouvez voir que le zombie, le super zombie est là-bas en bas. Donc c'est celui-là. Alors pour le fun, hop, une petite grue pour se marrer. Ouais. Et balancer un smoke aussi. Allez. Après d'ici avec un soit un sniper. Oh par contre là t'as vu la fumée elle a bien marché là. Ouais super. Vous pouvez voir que regardez ça fait une jolie fumée verte. Et notre petite greu. Allez merci l'XP frangin. De rien. Joli hop. Voilà et ça rattire tout le monde et ainsi de suite. Donc du coup là quand on va descendre ici, on a 4 zones comme ça ici à explorer, à tuer 4 fois le super zombie. Tu vois derrière nous il y en a encore un d'ailleurs. D'accord. Alors tu vois là ici. Alors le jour il va se lever, on va peut-être attendre un petit peu. Je sais pas si t'as le temps. Ouais, t'as un petit peu de temps. Bien sûr. Bon, on commence à réunir un petit peu. Là le jour il est bien levé. Hein. On peut aller plus. Voilà, tout en face là sur la droite, tous les zombies qu'on a gros tout à l'heure, ils vont arriver en masse. Regarde. Tu les vois arriver là sur la droite? Ouais. On va balancer. On va tirer histoire de dire d'attirer tout ça. Ouais, même dans les petits conteneurs, hein, tu vois, il y a. C'est intéressant là-dedans. T'es reparti où, frérot, toi? Tu vois, j'ai longé, longé la barricade. Ouais, ok. Je te rejoins. Bon bah voilà, regarde là, on va passer au-dessus des 4 zones où on va farmer en fait. Waouh. Alors, là on surplombe tout. Ah ouais, donc d'accord, il y a un super zombie là sur la droite, un super zombie sur la gauche. Waouh, ça va être voilà. Chaud les amis. Voilà, en face tiens, petit cadeau. En espérant qu'il soit un petit sniper, quelque chose de correct. Ah ouais, voilà. Donc un petit truc à ramasser qui est super, vous allez voir. Hop. Alors attends, je t'explique pourquoi je fais ça. Parce que... joli, vous avez vu le skin les amis que je viens d'avoir, regardez ça, un M4 en genre de bonbon coloré. Wow, bien, GG. Alors là, moi j'ai mis des barricades comme ça, normalement ils sont en ferraille, où j'en mets 3, 4, 5, 6, c'est parce qu'en fait là je vais m'absenter 2 minutes. D'accord. Donc je m'absente 2 minutes, soit tu fais un petit tour de farm, la zone où... Bah tiens, on peut avancer un peu, je t'explique vite fait avant de m'absenter, j'en ai pas pour longtemps. On va descendre, alors après, est-ce qu'on peut passer quelque part? On va longer ici tout le côté sur la droite. Voilà, je pars, on va longer tout la droite avec les sacs de sable là, que tu vois sur la droite, en arrière-plan. Et après, on va tirer les zombies, faire un gros... comment dirais-je? Agro de masse. Oui. Et tu vois là où je vais balancer la greu, ouais. C'est ici par où on va passer. D'accord. Ok. Mais avant d'arriver là-bas, il y a pas mal de zombards. Alors attends, pour t'amuser en attendant que je m'absente, tu peux me suivre si tu veux. Bon après là on a fait qu'une petite partie, hein. Encore de l'autre côté là, où on avance. Sur tout le côté à droite, c'est blindé, blindé.
D'accord. Et ce qui est bien, c'est que... Comment? Ouais, bien. Alors par contre, avance. Run, t'as tiré à l'arme à feu. Ça va nous rusher, je pense. Ah ouais, ils vont monter. Ouais, derrière toi, ouais, voilà. Voilà. Alors attends, ce qu'on peut faire également... Vas-y, on continue à run doucement. Tu vois ici, après, tu vois là, on peut atterrir dans des cul-de-sac. Ouais. Attends, je vais prendre mon arme de mêlée parce que là, sinon, on va. Ça peut partir vite en couille et vite être débordé par le nombre de zombies. Ah, tu vois, regarde, ça arrive. Lâche avant. Voilà. Vas-y, je te laisse faire les kills pour que tu puisses récupérer l'XP. Voilà. Hop. Donc après, il y a un run un petit peu tout. Ben là, ça va arriver en masse. Hein. Là, on fait du bruit d'un côté. Et en fait, tout ce qui était à proximité, ça va arriver sur nous au fur et à mesure. D'accord. Donc, t'as pas besoin d'aller loin. Tu les attires par petits paquets. Tu reviens, tu les attires. En fait, il faudra. Tu vois, au lieu de descendre sur la gauche, il faudra que nous, on continue tout droit. T'as vu, les zombies, ils passent. Hein, là-haut. Mais ouais. C'est pas normal, tu vois. Ok. Tu vas avoir une entrée. Hein. Ah ouais. Charge. Ah, regarde, il fait le tour. Ah, d'accord, ça y est, j'ai compris. Là. Ok, ils vont tous nous rush comme des oufs. Ça va arriver de là. Ah, voilà, c'est ça. Allez, petite grue en perspective. Allez, j'ai envie de délirer. Hop. Barricade. Oh, il passe la barricade, t'es sérieux? Allez, la dernière barricade. Voilà, puis il s'excite dessus. Excitez-vous, une greu. Greu. Recule un peu, hein, que je te fasse des dégâts. Merde, j'ai plus de balles. Changement d'arme. C'est bon. Alors barricade en ferraille, hein, c'est carrément mieux évidemment. Plus de balles non plus encore. Bon voilà, tu vois les barricades. En fait t'as un peu tous les éléments du jeu, tu peux très bien t'amuser, tu vois, regarde, ça rush. Là ton XP va grimper sur le côté, tu vois les dollars, tu vois. Ouais, ça monte. Alors les dollars super important, moi je te cache pas, j'achète beaucoup de véhicules et que des munitions. Que ça. Parce que alors ceux qui ont connu Aftermath, hein, c'est pareil, hein, ils se font avoir au niveau des munitions, après ils sont obligés d'échanger, enfin bref. Ouais, c'est un peu ça. Et plan, en fait, je ramasse la gasoline, mais elle sert à quoi la gasoline? C'était pour notre véhicule tout à l'heure, faire un petit plein. Oh, je recharge. Donc là t'as vu, hein, après on va aller faire les tentes, forcément il doit avoir du loot, de la caisse, chose comme ça. Pareil, si vous êtes après un habitué du jeu, pensez toujours sortir avec quelques snipers. Moi j'aime bien sortir Honnête Badger et une arme qui fait du bruit. Une arme pour attirer qui fait du dégât et une arme, tu vois, pour se déplacer furtif quoi. D'accord. Et un coup de F6, paf, t'enlèves ton silencieux. Pour essayer de se mettre en sécurité dès que possible, quoi. Le plus haut possible s'il y a une super bombard. Alors c'est un petit peu délicat, tu vois, mais tu vois, tu fais hop. Alors les concours, vas-y, monte si tu peux, avance un peu parce qu'ils peuvent peut-être te toucher. Alors je sais pas, moi c'est l'habitude, ça arrive normalement, ça doit passer tout seul. Des fois, selon les sauts, il suffit de sprinter un peu. Ouais, voilà, ça passe. Ça passe crème. Ouais, voilà. Après, une petite greu-greu, voilà, pour attirer tous ces cons. Voilà. Je sais pas si celle-là, là, suffit.
Ah si, ça arrive. S'il faut, moi j'en ai encore des grelins. Bah vas-y, je laisse ma place si tu veux. Moi, c'est juste pour attirer un peu de masse autour, faire un peu de kill. Après, avec la mitraillette, tu mets un petit peu de balle si t'as un visuel. Alors, tu vois, sur la bordure routée, il faut se méfier parce que des fois, tu peux continuer un petit peu sur la pente. Tu glisses. Ouais, tu peux glisser et là, les bombardiers sont en dessous de toi et là, bah. T'as bien fait de me dire parce que je commençais à partir, j'ai l'impression. Non, faut pas y aller. Boum! Joli! Et après, tu vois, et tu vois là-bas, devant, tu vois, t'as un paquet de caisses. Oui. Devant toi là-bas. Ouais. Et en fait, souvent, alors, je descends derrière le 4x4 derrière toi, et je saute. Avec un. Tu sais, t'appuies en même temps sur le sprint et le saut et t'avances. D'accord. Comme ça, tu fais un saut un petit peu plus loin, tu t'atterris sur le coffre de la voiture. Si tu prends du dégât, bah, tu te soignes direct, hein, ça passe. Et après, bah, tu flingues tous les zombies qui arrivent. D'accord. Alors, je te montre un petit peu si tu veux. Vas-y. Hop, ça y est, j'ai sauté. Là, je prends mon gros gun pour faire du bruit, tu vois. Bing. Voilà, ça va certainement arriver un peu. Ouais, ça sort. Voilà, grimper. T'en as encore deux derrière la porte. Ils avancent doucement. Alors là, j'avance avec mon silenceur. Oh, elle a pas pris sa balle, fiasse. Oups. Ah, là, je fais gaffe aussi. J'ai sprinté, hein, histoire de dire de faire du bruit. Voilà, hop. Voilà, c'est bon. Tu peux descendre. Tu peux descendre. Ouais. Voilà, on va tuer ce qui reste en face, là, vite fait. Ouais. En fait, l'entrée là, l'entrée des arènes, elle est en bas, là, à gauche. Je te blesse pas quand je te tire dessus. Non, là, tant qu'on est groupé, non. Okay. Par contre, si on découpe, on est sur un serveur privé, mais PVP, on peut rentrer en fight quand on veut. D'accord. Puis il est descendu dans le. Dans la fosse. Ouais, dans la fosse. Ouais. Fais gaffe, il y a un zombard qui arrive sur ta droite. Dans ta gauche en plus. Re les amis, donc on se retrouve pour attaquer la bonne partie de la vidéo. Donc c'est parti les amis, on continue avec le frérot, on y va. Re mes gens. Re mes gens. Alors ici, comme je disais, tu vois ici tu peux tirer, tu vois, il ne passera rien. Par contre, tu vois, regarde, je vais faire un. Tu vois ici, là on va run. On va run direct en face derrière le sac de sable quand je tire mes dernières balles. Je vais charger. Voilà, on va run parce que tu vois, on va avancer tout doucement. Voilà, moi je vise. Alors, vise pour essayer de faire un minimum de pas. Non bruyant. Voilà. Alors, soit tu passes par la gauche carrément. En fait, c'est un tour. Hein. T'as vu, hein, comme tout à l'heure, c'est un cercle. Ouais. Tu fais le tour. Voilà. Alors souvent, moi, ce que je fais, c'est, comme d'hab, ma petite greu-greu. Voilà. Allez, cours guignol. On y va tout doucement. Alors, j'ai pas pris... Ah, le gros, il nous a vu. Allez, run, ma peau. Cours, sur la peine. Vas-y, passe derrière. Descends. Voilà. Soigne-toi. Voilà un gros zombie les gars. On va le fumer celui-là. Oh, je tire tout à côté. Alors je n'ose pas trop tirer parce que je voudrais que tu fasses un... les XP que tu termines quoi. Faut que je change d'arme. J'ai déjà plus de munitions dans celle-là. Une grosse batteuse. Hop, de ouf. Voilà. Ah, oh, j'ai plus de ballon plus dans ma batteuse. Oh, je suis deg. Ouais. Là, on va tenir pour se faire quelques balles. Attention. Voilà, nickel. Voilà. Alors, attention aux zombards. Hein. Souvent, il y en a, ils vont faire descendre direct, mais.
Alors attends, je regarde une arme qui m'intéresse pour récupérer des balles de batteuse. J'ai quoi? Moi j'ai la RH23. Regarde bien, il y a peut-être un snap qui traîne. RPK, très bonne arme, hein, le RPK 74. Ouais, machin. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Bon, je prends juste quelques riottes. Le drum ne servira à rien, tu peux le prendre. Ouais, vas-y, prends. Attends, je regarde. Je crois que j'ai un SVD si tu veux le sniper. Ah non, bah garde, fais-toi plaisir. Et encore parce que là on est sur serveur PVE, on a un petit peu de chance de pouvoir se la couler douce et tout. Oh ouais, t'inquiète, tu risques rien. Si je fais ça, s'il te plaît. Ah ouais, jolie classe. Ah, Papa Noël est dans la place, les gars. C'est tonton Noël. Tonton Noël est dans la place. Tonton Noël. Avec son sac escargot, évidemment. Trop fort. Toujours. Voilà. Tiens, alors. Je vais me tourner avec une super zombie. Ça dit que tu mets avec soit le snipe ou un truc comme ça pour faire un screenshot Père ouais. Noël super zombard. Ouais, ok. Allez. Ça fera la photo de la miniature, tiens. Prêt à gros zombie s'il te plaît, voilà, merci. Paparazzi, tonton. Ah, excellent. Oh, il a dû faire mal là. Ouais, mais alors par contre je comprends pas pourquoi j'ai un bug. Bon bah voilà, ça arrive. Bah c'est ce que je disais, justement je viens d'avoir un bug, tu sais, vous ne voyez plus ma vie. Il m'a mis deux coups de patte, je pensais être soigné. Ça faisait pourtant un an ou deux. Alors, que bah moi ce que je te propose, récupère tout. N'empêche que bon, j'ai mis mes cendriers, un cadeau, regarde dans mon sac. Vu qu'on était le 24 décembre. Bon bah les gars, le Papa Noël est mort. Donc bah du coup les amis, le Papa Noël, comme il est mort, on va récupérer son stuff. C'est rétamer la gueule par terre sur ma belle. On va essayer de tout récupérer. Il y avait de la suite au maximum. Le Père Noël est un crétin. Ouais, ça y est, je me soigne. Mais ouais, c'est bizarre ça. Papa Noël, toi tu es descendu du ciel. Retourne-y vite fait, bien fait, avant que je te colle une droite. J'essaie de fumer le gros pot quand même. Bah vas-y, ouais, si t'as les balles. Fais-toi l'explique direct, ça va repop le temps qu'on fasse le tour, qu'on respawn, qu'on récupère. Le mec il sera revenu. Il m'a descendu la bouteille, à lui tout seul le salio. Et le pinard n'est pas le salio, est un poivreau. Petit Papa Noël, toi tu descends du ciel. Retourne-y vite fait bien fait, avant que je te prenne une droite. Avant que j'allonge une patate, je te fais au carré. Petit Papa Noël, ouais, tu descends du ciel. Retourne vite fait bien fait. Non, faut des balles à t'enfoirer. Avant que je t'allonge une patate, je te fasse une tête au carré. Petit Papa Noël, ouais, tu descends du ciel. Retourne vite fait bien fait. Avant que je te colle une droite. Avant que je t'allonge une patate, je te fasse une tête au carré. Arrache-toi de là. Parce que d'abord, je te dis le même point, Père Noël. C'est un vrai qui est meilleur, oui. Eh, il veut pas crever, hein! Dieu est noir, Père Noël! Ah, ça y est, je l'ai eu! Les bottes, non, non, le blouson, oui, mais les bottes, non. Non, je vais appeler la police. Ok, ouais, donc là, c'est bon, je l'ai eu. Présentement, y'a pas de. Comment présenter? Bon, bah, on va. Voilà notre Papa Noël qui est revenu, les gars! Ah ouais! Il est là, le avatar! Regarde-le! J'arrive pas à passer. Bah, tu vois, là, par contre, on peut scanner. Tu vois, là, on n'est pas groupé et tout. Toi, tu m'as vu, moi, je t'ai pas vu, je sais pas où t'es. Et je fais quoi? Donc, si je décolle là, ça va me remettre ici exactement ou pas? Non, justement, si ça te décolle là, ça va te mettre à l'extérieur. Alors, ceux qui connaissent, ils savent qu'ils vont être sortir à l'extérieur, etc., etc., et revenir faire le même chemin.
la même procédure pour pouvoir pexer et récupérer du stuff. D'accord. Ok. Ce qu'on va faire, les amis, c'est que je vais déconnecter ici. C'est bien sûr la fin de cette vidéo. Et donc, les amis, si ce jeu vous a plu, n'hésitez pas à vous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un big like pour le travail effectué. Et mes amis, je vous dis à plus tard dans de prochaines vidéos. Ciao, bye bye. Plush, plush. Et portez-vous bien. Bah les couilles c'est pété même pas.